Encore une fois, mon stylo pleure à l'instar de l'encunel. Ce qui se meurt, une mort violente subite tirée par nos dirigeants voleurs. Ville vilain voleur voulant voler notre dernière goutte de sueur. Voilà le visage sombre et lugubre de l'Afrique à 7 heures. Seconde après seconde, minute après minute, heure après heure, l'Afrique se meurt, tuée et pillée par nos dirigeants collaborateurs. C'est le seul mot pour qualifier ces adorateurs de Satan. Pour raviver notre sang, se comporter servilement, confondre intérêt personnel et national, c'est décevant. Je suis déçu, dessous le seul cynisme et la pauvreté, c'est indécent. Ils vendent le pétrole du Congo, nos colons, qui organisent nos guerres afin de mieux gérer le filon. Au Sénégal, ils vendent l'eau, la télécom, le courant, t'es au courant, c'est courant. Notre économie, tu peux la comparer à un vieil homme mourant, tué par les mêmes héritiers qui s'entretueront pour l'héritage, qui te feront croire que c'est pour le bien de la famille, du clan. Le patrimoine n'existe plus, on l'a dilapidé. Il faut repenser tout à la base, révolutionner. Le patrimoine n'existe plus, on l'a dilapidé. Il faut repenser tout à la base, révolutionner. Le patrimoine n'existe plus, on l'a dilapidé. Il faut repenser tout à la base, révolutionner. Le patrimoine n'existe plus, on l'a dilapidé. Il faut repenser tout à la base, révolutionner. C'est encore ce système qui fait souffrir tous les descendants de Cam, gérés par les propres fils de Cam, dirigés contre les enfants de Cam. On a fait le tour de la question, voici la situation. Si on veut une évolution, il faut une putain de révolution. Révolution des mœurs, de la mentalité, de la morale, du comportemental. Sinon les armes parleront et c'est fatal. Je crois qu'il y a eu de guerre, trop de gosses sont morts amers, en se demandant pourquoi tant de malédictions sur la terre mère. Déjà, ils nous imposent des systèmes politiques comme les filantes, ni contre le pouvoir anti maintien, tu seras l'unique. Tant que tu nous vends le pétrole, le café, le cacao, tu seras en haut. On va bosser sur ta dette, toi y'a très bon négro. On va donner toi une maison jolie à Paris. La France, la délivrance, beaucoup de wari wari. Toi signé papier du chef, prends le cadeau du chef. Toi très bon négro. Tu comprendras quand tu seras grand. Le patrimoine n'existe plus, on l'a dilapidé. Il faut repenser tout à la base, révolutionner. Le patrimoine n'existe plus, on l'a dilapidé. Il faut repenser tout à la base, révolutionner. Le patrimoine n'existe plus, on l'a dilapidé. Il faut repenser tout à la base, révolutionner. Le patrimoine n'existe plus, on l'a dilapidé. Il faut repenser tout à la base, révolutionner. SOS, SOS, Awadi lance un SOS. SOS pour ces terres qui se meurent et ses fils en détresse. SOS pour toutes nos matières premières, pour toutes nos richesses. SOS pour que nos enfants ne vivent plus tout ce stress, yes. Mais God bless Africa, qu'on se sorte du caca. L'image est sale et puante, mais c'est la seule qui reflète le cas. Africa, on t'occupe, mais ton diagnostic est délicat. La seule solution, c'est une révolution dans tous les cas. J'aimerais que ce texte soit une lettre adressée à tous nos présidents. Qu'ils comprennent que les jeunes paniquent et que le boom est imminent. Pensez à nous, pensez à vous, pensez à ceux qui viendront après nous. Pensez, agissez, sinon on le fera nous, à la limite, l'argent volé, planqué dans vos comptes en Suisse. Investissez-le dans vos pays, faites bosser vos fils. Méfiez-vous, méditez le syndrome Mobutu. Personne n'est à l'abri. C'est tout, le patrimoine n'existe plus, on l'a dilapidé. Il faut repenser tout à la base, révolutionner. Le patrimoine n'existe plus, on l'a dilapidé. Il faut repenser tout à la base, révolutionner. Le patrimoine n'existe plus, on l'a dilapidé. Il faut repenser tout à la base, révolutionner. Le patrimoine n'existe plus, on l'a dilapidé. Il faut repenser tout à la base, révolutionner. Le patrimoine n'existe plus, on l'a dilapidé. Il faut repenser tout à la base, révolutionner. Le patrimoine n'existe plus, on l'a dilapidé. Il faut repenser tout à la base, révolutionner. Out. Et nous ne prenons garde. Nous risquons de perdre et la liberté de l'homme et l'indépendance de notre continent.